Hey, coucou les amis. Oh, j'ai honte, j'ai honte. J'ai abandonné mon jardin. En même temps, j'ai plein d'excuses. Ouais, plein, 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 plein. La rentrée, le boulot. Je viens le week-end après ma semaine de boulot. Je suis naze. J'ai pas envie de mettre les mains dans la terre, de trifouiller, enlever les mauvaises herbes. Du coup, le jardin, depuis des semaines, rien. Nada, walou, rien. Donc la nature a repris dessus, effectivement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu Tchernobyl dans mon potager. Donc, je vous propose qu'on aille faire un petit tour ensemble. Je vous montre l'étendue des dégâts. Et puis on remédie à ça. Et puis dans quelques jours, on refait une vidéo et je vous montre, une fois que j'ai repris la main sur le potager, ce qui s'est passé. À tout de suite. Allez, on y va, on pousse le portillon. Alors, ici, les fraisiers, grosse déception. Grosse, grosse déception. Pas une grosse récolte. Alors pourquoi, comment, on ne sait pas. Peut-être planté trop à l'ombre. Bon, on rectifiera le tir l'année prochaine. Ici, les betteraves. Et regardez les herbes. Ah là 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 là, je vous le dis, c'est. Alors, les betteraves, il y en a à ramasser. Hein. Je vais m'occuper de ça d'ici peu. Les poireaux, nos poireaux d'hiver, ils poussent. Ils poussent, ils poussent, ils sont jolis comme tout. Maintenant, il faut quand même leur faire un petit peu place et puis biner entre les rangs et puis probablement pailler aussi. Mes choux, ils ont poussé depuis la dernière vidéo. Le problème, c'est qu'on se les fait becter. Donc, mon homme vient régulièrement chasser les limaces. Et comme on ne veut pas utiliser de produits chimiques et on est en mode naturel, on évite tous les produits qui sont malsains, et ben les limaces, on les chasse à la main. Donc c'est vrai que bon, il commence à paumer, hein, faut pas trop non plus. Là, on va regarder ensemble. Ici, là, on a un chou voilà, qui commence à paumer. Mais globalement, voilà, bah, je sais pas. C'est la première année, donc on verra, mais je suis pas certaine qu'on ait des choux cet hiver. Hein. On verra ça. Voilà, donc ça, on voit l'étendue des dégâts, ça se fait bouffer, mais d'une force. Voilà, bon, on verra bien. Ok, ici on a planté des carottes. Alors les carottes, c'est pareil, peut-être il va falloir qu'on les éclaircisse un petit peu, je ne sais pas trop. Là, est-ce que j'ai une carotte, est-ce que j'en ai deux, j'en sais rien. Il va falloir qu'on regarde tout ça de près. Ici, j'ai un petit reste de céleri, impeccable. Là, il n'y a plus rien, nos fleurs. Elles vont être bonnes à déplanter aussi et à remettre à l'abri pour replanter les oignons l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais ça aura duré longtemps, c'est génial. On en mettra moins l'année prochaine. Un petit peu trop de fleurs cette année dans le potager. Ici, on a viré toutes les courgettes. Ça y est, c'est fini. Là, on a tout enlevé. Vous voyez, c'est ici en tas. Ça va finir au compost. Ici, les artichauts, on les a laissés. Bon, on n'a rien récolté cette année en artichauts. Hein, parce que c'est la première année, ils étaient tout rachitiques. On le voit dans les vidéos précédentes. Et du coup, on a laissé faire. On les a laissés vieillir, pourrir. Je ne sais pas trop comment on peut dire sur place. Et là, hop, ils sont en train de repartir. Il faut que je regarde, que je me renseigne un peu comment ça pousse. Est-ce que ça tient tout l'hiver on... Voilà, je vais regarder ça tranquillement. Mais globalement, les feuilles sont belles et ils ont l'air de pas trop mal se porter. Ça, c'est cool. Voilà, un petit tour de jardin. Les fleurs, ben, ça y est, c'est la fin. Hein. Ici, le composteur. Ça, c'est le composteur à toilette sèche. Bon, lui, il commence à être archi plein. Dans la serre que nous, on appelle Provence, ça y est, on a enlevé les melons, on a enlevé les concombres. On a récolté nos piments d'Espelette, nos poivrons, nos aubergines. Donc du coup, maintenant, on va enlever tout ça. Je pense qu'on va déplacer la serre, on va la mettre ailleurs l'année prochaine. On va voir comment on gère. Voilà, ici, j'ai encore un céleri rave. Là, hop, qu'on va manger dans pas longtemps. Voilà, mon prunier, mon petit prunier. J'ai eu un petit bébé, il est magnifique. Qui pousse le poirier, on a récolté les poires, on les a mangés, j'ai fait une tarte, c'était un délice. Arthur,
il a un petit peu de mal, hein. Il n'a pas bien aimé la pluie. Mais bon, hein, il a pris du bide, hein, non, vous ne trouvez pas? Ouais, non, hein. Voilà, nos fleurs qui elles aussi ben, sont sur la fin. Ça a tellement été joli. Oh, voilà, un petit tour d'horizon du potager à la campagne. Et puis, ben promis, on se retrouve dans quelques jours. Et puis, je vous montre ce qu'on a fait pour lui redonner un petit peu de charme. Et puis, pour préparer surtout le printemps qui va arriver, j'espère, très, très, très vite.